docteur Damien Mascret. Bonjour Damien. Bonjour Julien. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi. Aujourd'hui, on va parler de notre morale. C'est vrai qu'on en a besoin parce que demain, c'est l'automne. C'est l'automne qui arrive à grands pas. Et c'est vrai qu'on a souvent un petit coup de blues au moment du changement de saison. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça va de la simple fatigue mentale à l'authentique dépression. On estime que sous nos latitudes, il y a environ 3% des gens qui vont faire effectivement ces petites dépressions saisonnières. Alors, trois conseils du docteur Mascret pour y remédier. Le premier, vous dites, c'est d'aller chercher la lumière. Ça, c'est important. Oui, c'est crucial, c'est fondamental. Vous savez, évidemment, en automne, la luminosité va diminuer, la durée de du jour va diminuer. Et tout ça, eh bien, ça va peser sur une hormone qu'on appelle la sérotonine. C'est l'hormone de la joie de vivre. Elle va diminuer, sa production va diminuer. Donc, évidemment, il faut aller à l'extérieur. On estime qu'il faut aller environ 10 000 lux, c'est l'intensité lumineuse. Ouais. Par jour pour avoir justement cette sérotonine qui va être bien sécrétée. Mais regardez, si vous êtes au clair de lune, vous n'avez qu'un seul lux par exemple, ah oui. Donc c'est pas beaucoup. Et une ampoule c'est 200. Bah oui, lumière artificielle, vous êtes à 200, dans les bureaux vous êtes à 500, alors que dès que vous sortez, même s'il y a des nuages, vous allez vous prendre 20 000 lux, et alors évidemment s'il y a grand soleil, là, vous allez prendre plus de 100 000 lux, donc ça c'est parfait. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas sortir, alors comment on fait ? Eh ben, on utilise des appareils de luminothérapie, ça n'est pas des gadgets, c'est utilisé dans la dépression saisonnière ou d'ailleurs dans la dépression. Et ces appareils, eh bien, on passe tous les matins environ une demi-heure par jour en lisant, en faisant ces activités. Ça ressemble à ça, là, c'est ce qu'on voit. Exactement. Ces écrans comme ça, qui sont filtrés évidemment pour ne pas agresser les yeux, eh bien, ça va vous permettre, là aussi, dès la première séance, d'avoir un bénéfice sur votre humeur. Bien, la lumière, deuxième conseil.